Hey, bien bonjour à tous et bienvenue pour du LP, j'espère que vous allez bien tranquillement, on se retrouve pour du LP. Bon, alors, j'ai pas mal avancé, notamment j'ai refait mon bureau, j'ai retrouvé ma pièce de bureau pour avoir un gros bureau où je suis, et ça peut résonner par moment. Maman, oui, moi bon, ça c'était moi. Mais voilà, donc, alors j'ai avancé un petit peu sur la maison. Ah ouais, tu construis une maison? Bah ouais, je commence à construire une maison en 3D. Alors je suis en train de faire tout ça tranquillement. Alors il y a Shift-Click pour démarrer le PC, merci du raccourci, ce qui est très très bien. Et je me suis fait une grosse batterie derrière. Parce que ça demande de l'énergie, et à un moment j'étais en rate d'énergie, et seulement le 3D pouvait fonctionner, lui il était en mode clignote. J'ai plus d'énergie. Et à un moment, bah, il a plus voulu imprimer. Donc du coup, ce que j'ai fait une batterie. Pour tout simplement qu'il puisse stocker d'énergie. Donc, ce que j'ai fait... What? Ah oui, je suis en cap. Tac. Non, c'est... Ah non, c'est sur l'autre. Bah si, c'est ça, c'est D. Ah bah oui, mais il était en mode grand T, grand machin. Voilà, alors, du coup, j'ai fait tout ce qui est pilar, bloc, escalier, ladder, slab, la petite table top 1 et 2. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai fait des pilars. Alors, je voulais le faire en quartz super beau, super classe, sauf que le quartz, en fait, il fait des rainures sur les côtés, ce qui est un petit peu dommage, même si j'ai le pack de pierre en 9, le quartz il est pas beau en open block, en open computer. Donc du coup, ce que j'ai fait, je l'ai fait en snow, hein, parce que la snow je la trouve super classe. Et comment je peux vous faire ça? C'est print 3D, genre il n'y est pas. Ah si, print 3D-view. Pilar, hop. Par exemple, vous pouvez voir actuellement le pilar ce que j'ai fait, en fait, le pilar bloc directement. Bon, sur ça, c'est bien beau, hein, vous pouvez voir, ça fait un petit peu ça, mais en fait, c'est tout simplement un pilar comme ceci, voilà. Alors, il en snow, la snow, je la trouve pas dégueu, pas si dégueu que ça, en fait. Tac. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, vous connaissez tout de suite. Là, j'ai commencé un petit peu. Ouais, j'ai commencé très très peu, mais j'ai envie de faire la maison correctement et pas me presser. Donc, c'est pour ça qu'on va partir sur un autre mode juste un instant. Mais je veux vous montrer en tout cas le début de la petite maison. Alors, pour l'instant, c'est vraiment le truc basique. Hein. Mais ce que j'aime bien surtout avec Open Computer, c'est que je peux faire des vrais escaliers à 4 marches et non les putains d'escaliers. Stair, non. Merde, c'est quoi les escaliers? C'était pas ça? Ah si, c'est ça. Ouais, AIRS. Ah bah, ils veulent pas. Bon, enfin bref, les escaliers, vous pouvez voir, c'est une ou deux marches. Voilà. Bon, c'était bien beau, mais je préfère largement ça, parce qu'en plus, on monte pixel par pixel. Bah, demi-pixel par... 4 pixels par 4 pixels, hein, vu que c'est un 16 au carré, bah, ça fait 4, 8, 12, 16. Voilà. Hop, voilà. Donc, j'ai fait un petit peu ce modèle. Ça fait grec. J'aime bien. Je mets un petit peu de profondeur. Je mets des piliers super beaux. Alors, au milieu, j'ai mis du 2. Hein, et sur les côtés, j'ai mis du 1 avec un petit côté ici que j'ai enlevé quelques pixels. Ça fait un côté arrondi. Je trouve ça vraiment classe. Et tout le sol, c'est du Open Computer. Il n'y a pas de neige. L'avantage du coup du Open Computer, c'est que vous avez juste besoin de gravier, de gravier, un peu de redstone, un seau d'eau et un PC, tout simplement. Et du coup, vous pouvez lui donner la texture que vous voulez. Alors, il n'y a pas toutes les textures. Il n'y en a que 27 textures capables. Mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Et du coup, je me suis fait des petites glaces comme ça de Slabcraft qui permet en fait de faire des carreaux plutôt sympas. Dommage que ça se lie pas.
Alors par contre, ça se pète plutôt rapidement et en même temps on peut les looter. Donc du coup, c'est un bon point. Voilà, donc ça fait un petit peu le début de la maison. Je le trouve plutôt pas mal. Ici, c'est des slabs. Bon, je pourrais mettre des blocs, hein, mais ça coûte moins cher de faire des slabs. Donc voilà. Après, au niveau de la maison, je vais partir sur une grande maison là. Pourquoi pas la faire en marbre ou je la laisse en neige plutôt, je la laisse en neige. Mais je fais comme une maison en marbre super grande, super classe. Comme ça, on pourra mettre tout notre réseau Apply qui se trouve là-dedans. On pourra le transférer et obtenir du coup plus de possibilités au niveau des crafts. Voilà. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la maison. Moi, je la trouve plutôt sympa pour l'instant. Bon, il y a encore pas mal de travaux à faire, mais voilà. Surtout les escaliers. En fait, les escaliers sont bien ceux-là. Cependant, il faut que je les modifie pour qu'ils puissent partir en hauteur. C'est un petit point négatif, mais bon, ça va, c'est plutôt sympatoche. Voilà. Hop, je vais aller là. Faudrait que je remette du... Ça, je vais l'éteindre. Faudrait que j'en remette un ink sac et du châle machin. Bucket, c'est bon. Tac, ça utilise du coal. Et en même temps, voilà. Ça utilise de la redstone, un charcoal, 4 graviers et un seau d'eau. Pour vous en faire 16, c'est plutôt pas mal. Également, je vais m'en faire 2. Voilà, je m'en suis fait qu'un parce que je ne pense pas. Ah si, je le remplis quand même. Tac, lui, il se remplit tranquillement. Voilà, hop. Lui, je vais le remplacer là-dedans. Et je vais remettre la deuxième cartouche. Donc la cartouche est faite tout simplement avec des colorants. Et au lieu d'utiliser des fleurs de Botania ou des fleurs Vania, j'utilise ceux d'Extra U en fait parce qu'ils sont très très sympas et faciles à faire. Donc du coup, je les fais. Chest, tac. Me dis pas que t'as plus de hawk. C'est bien ce que je pensais, il n'a plus de hook en fait. Il peut plus faire là parce qu'il manque du bois. Alors j'ai remarqué que dans la nouvelle version de. Comment de Refinite Storage, d'après le créateur, maintenant quand vous manquez des éléments, il vous le dit avant de les crafter. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Je vais les faire ça, je vais les couper le gros arbre ici parce que j'ai besoin de bois. Ça dégueule pas de partout. C'est bon, tu coupes? Ah, c'est quand même joli. Hein. Ça dégueule un petit peu de partout, certes. Bon. C'est normal, c'est des arbres. Voilà. C'est plutôt sympa, hein, ça coûte bien. Alors dommage que le mode n'existe pas en indice encore. Parce que je compte mettre le pack en indice. En plus, il y a plus de modes. Mais ils sont pas tous à jour. Donc c'est ça le problème. Quand vous rajoutez trop de modes, c'est qu'après vous devez attendre que tous les modes soient à jour pour pouvoir jouer. Bon, ceci dit, s'il y a 2-3 modes qui manquent à l'appel, c'est pas très grave. Notamment, je sais très bien que le mode des glaces que je vous ai montré, lui, il est pas à jour par contre. Donc, on va dire que c'est pas trop un problème, puisqu'on peut s'en foutre un peu en fait. C'est juste un mode en particulier, après Open Computer, lui qui est... Bon, heureusement qu'il est compatible. Mais si lui il n'y était pas, par contre, je l'aurais pas mis. Si on peut vraiment tout faire Open Computer, et comme je fais la maison entièrement en Open, ça serait vraiment con de faire en sorte que la maison soit défectueuse. Parce que il est pas à jour. Tellement un mode pété ça.
Ah. Bon, l'avantage, c'est que on récupère tout ce qu'il faut. Tac, tac, tac. Alors, je ferai un système auto plus tard, hein, qui fera tout le reste. La range, c'est le max. Ah ouais. Faudrait peut-être que j'arrive à... Oh, ça va, la range est plutôt bien. Bon, voilà, ça arrive jusqu'au bloc, hein, mais tant pis. Donc, on fait ça, on fait ça. Pouf. Voilà. Bon, moi, j'ai du bois. Le PC est tranquille, hein, il se met tout comme il faut. Je sais pas s'il arrive à faire le hawk comme je veux. Hawk. Non, le hawk il sait pas le faire. Ok. Alors, l'inconvénient c'est quand on veut faire plusieurs réseaux, on est obligé que le premier soit fini avant de faire le premier. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un petit peu normal. Et maintenant, si tu lui demandes de faire du chest, je vais en faire qu'un, je vais mettre le petit pattern, pouf, et normalement le chest il est fait. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà, je me suis fait de la cobble, pourquoi ? Parce que pour le open computer, il me faut du gravier. Donc je le fous là-dedans, hein, tout simplement la cobble. Je la fous là-dedans et ça me sort du. Tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, ceci étant fait, IC2, est-ce qu'on a des choses à faire en IC2, par contre? Il y a des choses que je voudrais bien faire en IC2. Distillation, réacteur... Ah, il y a bien l'incantum que je voudrais bien faire, d'ailleurs. Je m'en rappelle plus si je peux voler avec l'incantum. Je crois que oui, mais j'en suis absolument pas sûr. En plus, on peut le trouver avec la Yu-Yu-Matter. C'est vrai qu'on pourrait faire la Yu-Yu-Matter de Tech Reborn. Ici, de Tech Reborn. Lui, il est pas mal. Tech Reborn, je l'aime bien. Bon, il faudrait que j'arrive à refaire tout ce qu'il faut. Solar Panel, c'est des RF, mais c'est pas les RF comme qu'on est ici. Donc c'est un peu dommage. Mais ouais. Énergie flow. J'adore les textures qui sont complètement buggées. IC2 ça passe, mais la potron cristal de Tech Reborn. Gna. En plus, c'est l'ancienne version, c'est celle que j'aime bien. Lightning Rod. Ça, c'est quand il y a les orages qui tombent dessus, ça produit du courant. Après, non, bah, il n'y a pas. Il y a bien un mode que je voulais. Voulais retester, c'était Blood Magic en cette version, mais on va peut-être passer sur du foresterie. On va faire un petit peu les abeilles comme l'ancien temps. Les petites abeilles, je les aime bien, ceux-là, ils sont magnifiques. Ah oui, alors par contre, ça va être un problème, c'est que NEI version abeille ne fonctionne pas, donc ça va être un petit peu la galère pour faire les abeilles. Ça, c'est problématique par contre. On peut mettre du recall sur des cocottes. Lol. Bon. Je reviens. Rue les gens. Donc, bon, alors j'ai regardé un petit peu voir si monsieur JEI add-on version forestry. Il n'y a pas. Forcément, hein, il n'y a pas. Je refais dodo un petit coup, donc ça fait plus de 10 minutes. Voilà. Alors, c'est bien beau de commencer par les abeilles, mais j'ai remarqué qu'en fait, pour faire les VIP, il faut des seed oil. Et le seed oil, c'est soit des pumpkins, soit d'autres choses. Donc, du coup, ce que je vais faire, bah, tout simplement, je vais faire une plantation de bonne mine. Une plantation de bonne mine, oui, bah oui, bien sûr. Une farm entière de tout ce qu'il faut. Alors, j'ai pas les harvesters, j'ai seulement ce qu'il y a d'Under Rio, qui veut dire... C'était quoi, les Under Rio? C'était un truc assez cher à faire, la farming station. Ouais, c'est très... farming station. Electrical steel, machine casing. Alors tout ça, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, forcément. Pas le truc au milieu. Tac, tac, pouf.
J'ai mon truc. Pulsating Iron. Pulsar. Pulsar. Ah, bah, j'ai largement ce qu'il faut. Pourquoi j'en ai fait autant d'ailleurs? J'en sais absolument rien. Je ne sais pas pourquoi j'en ai fait autant. Mais tant mieux. En même temps, hein, il faut dire ce qui est. Tant mieux que je l'ai fait. Ça. Alors, attends, il me faut. Bon, en iron, ça suffira largement. Il me faut des sticks. Forcément, le hack, je l'ai pas fait en mode stick. Tac, tac. Un pattern, il m'en faut encore un. Alors, dommage, il n'y a pas une fenêtre pour dire qu'est-ce qu'il aurait besoin ou qu'est-ce qui est en cours, etc. Vraiment dommage, sinon ça serait vraiment cool de faire ce qu'il faut. Peut-être que ça arrivera du coup dans la prochaine version. Tac, alors hop, une petite hache. Normalement, juste une scie en version fer, ça suffit largement. Tac, tac. Zombie. Alors, zombie. Ah, c'est cool, j'ai fait ce qu'il faut. Redstone silicone. Redstone. Voilà. Silicone. Bon, bah, j'ai largement ce qu'il faut, de toute façon. Tac. Et solarium, c'est du. Sous le sand et du gold. Gold. Soul Sand, ouais, ça va, j'ai ce qu'il faut. Tac, tac. Cependant, il me faudrait la machine là. Oh shit, motherfucker. Ah, il m'en faudrait plus quoi. Il m'en faudrait plus. M'en faudrait plus. La 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 la. Barre. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Iron. De toute façon, l'iron, j'en ai plus beaucoup, donc il faudrait que je fasse attention. Tac, une deuxième casing. Tac, tac, des chires, une tête. Pouf. Ah, il faudrait que j'en refasse une en fait. Tac. Tac, pouf, pouf. Pouf, et solarium, donc il me faut encore du gold. 1, 2, 3, 4, 5. Et la Soul Sand. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, tac-tac. Merci, Torcherino, pour accélérer le truc à fond. Ça se voit parce que même le tuyau ne suit plus. Voilà. C'est magnifique. Ensuite, je vais là, je fais mes 5, pouf, j'ai ça, c'est magnifique. Ensuite, il me faut, alors j'ai ça, 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 ça et ça. Normalement, ah, j'ai pas Electrical Steel. Iron, Coal, Silicone. M'en faut combien? 4. Alors, l'iron, bon, c'est pas trop un problème. Le coal, je crois que j'en ai fait du coal. Ouais, c'est bon. C'est magnifique. Oups. Voilà, ça va tellement vite, c'est magnifique. C'est la fête à la au village. Je vais me le foutre là, tiens. Hop. Pouf. Voilà, fais-toi-en. Fais-toi-y, fais-toi-zou, fais-toi là là. Touc. Hop. Tiens, on va faire ça. On va le recharger un peu, même s'il y a le panneau solaire là-haut. Ah bah hop, un Z-Logic Controller, en plus les Z-Logic on peut en faire un crafter, un power spawner et puis ça du coup. Voilà, j'ai une farming station. Maintenant, parce que oui c'est pas fini. Capacitor. Bon hop. Alors. Ah, du gold. Tu vas en faire 65, YOLO. 1, 2, 3, 4.
Pour faire ça. Voilà, et pour faire ça. Il manque juste là de l'eau au milieu. Ouais, j'ai un octadic. Moi, c'est magnifique. J'en ai un rapidos, YOLO. Ensuite, la terre, on s'en tape. Ça serait juste pour savoir où est-ce que je pourrais le faire. Le Volta, ici, il faudrait que je m'en fasse un. Parce que c'est toujours jusqu'à 40 RF. Hein, 40 RF, c'est plutôt pas mal. Salut toi, je pourrais te mettre où par contre. Faudrait que je fasse des badauds solaires. Pourquoi ils se chargent pas? Ah si, c'est juste qu'il est à fond en fait déjà. Hop. On va les arrêter parce que je le prends Wikipédia. De toute façon, il va me falloir obligatoirement ceci. Stick. Une ou. Et puis, de toute façon, une hache. Oh, achievement gate. Wow, magnifique. Build un diamond axe. Ok. Alors, maintenant ceci. Ouh, Under Capacitor. Wow. Oh, genre. Right click under, charge in the end. Oh. Under crystal. Under crystal shard. Change. Oh, mais c'est cool. Ah, c'est magnifique ça, tiens. Bon, ça a l'air un petit peu... Ouais, ça a l'air un petit peu cher. Non, mais c'est cool. En fait, avec les Under Crystals, si j'ai bien compris, on peut recharger l'énergie. Oh, c'est plutôt pas mal, tiens. Donc, c'est de l'énergie infinie. Ouais, semi-infinie, quand même. Peut-être que ça peut péter hein, à partir d'un moment. Enfin, bref. Donc, j'ai ça. Me faudrait les solars. Non. Photo. Photo, photo, but. Photovoltaïque. En parlant de photovoltaïque, photovolta, voilà. Cela, je voudrais bien savoir si. Ah oh ouais non, mais il faut un Enderman. Vibrant cristal. Holy shit. Ah oui d'accord. Ah oui très bien. Oui bah. Bon c'est quand même 160, hein. C'est plus que ça donc. Ouais. Ouais, non, on va pas le faire maintenant, hein. On va en faire 3 comme ça, YOLO. Cool. Tu te fous de ma gueule. Bah, parce que c'est de l'Underio, il lui faut du IC2. Oh la merde par contre. Alors. Photovoltaïque, double layer capacitor, non. Advanced. Ah, c'est ça, un double layer capacitor en fait. Hop. Ah, parce que c'est. Ouais, ok. Coal. Celui, il faut du coal de Underio, sinon il est pas content. Voilà. Ouais bah quand ça le haul, je vais faire ce qu'il faut. Photo. 2, 3. Alors, tac, 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 ça le fait, ça le fait. Tac, 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 tac. Alors, normalement, il a tout ce qu'il faut pour faire... Oh, ça a l'air de le faire. Hein. Genre, il les a fait. Oh. Je suis surpris. Là, ici, elle est faire. Est-ce qu'on le fait ça? Tiens, on va peut-être le faire. Parce que c'est quand même pas rien d'avoir un X milliard de trucs. Quartz. Genre, j'ai tout ça comme quartz. Oh. Ouais, je suis surpris. Je savais pas que j'en avais autant. Je sais que j'étais parti les chercher quand même loin, mais... Waouh.
De l'eau. Ah, il me faudrait deux patterns par contre. Parce que je vais du coup le mettre en mode semi-auto. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour les faire. 1. 2. Ouais, 2. C'est magnifique. Tac. Alors, de l'eau, ça fait ça. Un pattern. Pouf, tu le fous là. Et toi, ça fait le pattern. Un pattern. Un autre pattern. Normalement. Si je demande, eh ben, de toute façon il me refaudrait ça. Gold, il faudrait faire attention, Gold, parce que je vais plus en avoir beaucoup. Il faudrait que je fasse une farm à pigmen. Parce que sinon, je suis dans le caca. Alors ça, ah oui, non, ah ça c'est trop cher, c'est trop cher et j'ai pas ce qu'il faut. Et oui, non, mais non. Façon, j'ai pas de tête d'Enderman, donc du coup, ça va être un peu compliqué. Vibrante. Pouf. Ouais, j'ai fait un vibrante, je suis trop content. Fusette. Soul, c'est magnifique. Tac, il me faut un truc d'Enderman, de toute façon. Soundbinder. Ouais, en plus j'ai plus de tête de zombie, j'ai plus rien. Head. Ouais, j'ai deux têtes de zombie. Waouh. Ça va être magnifique ça. Ah oui, en plus il faut une tête de creeper, une tête de squelette, une tête de zombie. Ok, donc on va oublier pour le moment, hein. On va reprendre nos beaux vieux photovoltaïques solaires, hein, YOLO. Et puis ça va être bon, parce que sinon c'est la merde. Qu'est-ce que je voulais faire pour faire du seed oil? Parce que c'est bien beau. Ah, des pumpkins, ouais, voilà, c'est celui-là. Pumpkin. J'en ai 8. Ouais, c'est magnifique, hein, je pense que ça devrait aller. Bucket, je vais juste en prendre un bucket d'eau. Encore la nuit? Mais ça passe trop vite la nuit, what? On va bientôt se laisser, je veux juste placer ce petit truc. Je vais le placer où, tiens? Pas que ça soit trop loin non plus. En fait, je ne sais même pas sa range à fond, c'est pour ça. Je sais qu'il y a aussi Plante Tech, le mode. Que je ne sais même pas à quoi il sert. C'est un mode que j'ai rajouté, je ne sais même pas à quoi il sert. Alors j'ai mis les radios parce que j'avais mis un système de radio avec Open Computer. Cependant, j'ai pas envie de mettre la radio parce que c'est pas libre de droit. C'est une radio locale en fait. Pas locale, une radio non possible. Oh la vache, je l'ai défoncé. Pouf 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 pouf. Il faudrait que je prenne ça, voilà. Faites juste que je fasse ça et je fasse ça. Voilà. Alors, du coup, tac, on va mettre le machin. Ça utilise 100 RF par tick. 1, 2 et 3. Normalement. Ah oui, ça utilise 100 RF même si c'est en mode YOLO. Donc là, on est à 96 RF. Oh merde, 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 merde. Holy shit. Oh le boulet. Désolé. J'ai oublié qu'il y avait un truc juste au-dessus. Ah oui, non, du coup, ça va pas le faire ici. Faudrait que je. Nyeh. Que je vire l'arbre. Voilà, c'est viré. C'est viré. Ouais, il faudrait limite que je le fasse là en fait. Voilà. Je
J'ai plein de graines, je sais pas quoi ça sert. J'avais vu un tuto de plantes tech. Bon, alors, je sais plus c'était quand, mais le truc était assez complexe. Donc, du coup, ça peut être bien, hein, mais c'est tout. Normalement, c'est du 4x4. Alors, je ne suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est du 4x4. Voilà, donc c'est en train de se recharger, magnifique. Il faut des chiens. Non. Ah, il faut des chiens. Voilà. Ah, on peut mettre la bonne mine maintenant. Oh, c'est magnifique. Ça, je savais pas, par contre, tu vois. Eh? Genre, ça plante. Genre, ça plante jusqu'ici, quoi. Genre, ça plante plus loin. What? Faut pas que je mette un autre tactique, hein, alors, hein, parce que... Ok, j'en ai mis que 4. Magnifique. Ouais, ok. Houston, je crois qu'on a un petit problème. Attends, je vais me chercher l'autre. Je vais prendre le moyen parce que peut-être ça, en fait, la range fonctionne avec le capacitor qui est dedans. Donc, non. Ah merde, on les récupère pas. Je pensais qu'on pouvait les récupérer. Permets-tu? Merci. Bonne mille. Est-ce que tu peux me les... Voilà. Ça m'en fait 6 à chaque fois, donc du coup c'est pas négligeable. Pas des fois plus. Bah non, ça m'en fait que 6. Aïe. Voilà. Voilà, ça m'en fait 6, je fais ça, et je fais ça. 1, 2, 3. Ah, déjà c'est mieux. La range est un petit peu plus courte. Oh, c'est magnifique. Ça, les bonnes mines. Oh. Alors, en tout cas, c'est vachement bien fait. En tout cas, c'est cool, c'est bien fait. Tiens, je vais en foutre une torche là. Je sais très bien que ici... juste là, en fait. Merde un peu. Voilà. Sinon, tu voudrais bien pousser pour que je puisse... Ah, la torche Rhino, la torche Rhino. Ah, le bâtard, on peut faire ce qu'il faut, faut juste le faire. Torche Rhino. Ça m'a pété, mais c'est tellement cool quand on en a besoin. Ah merde, j'en ai plus. Hop, on va prendre celle-là. L'avantage de Torche Rhino, c'est qu'on peut speeder tout. Et couper. Coupe. Coupe Albert. Ah bah voilà. Bah oui, mais ça repousse derrière, donc du coup. Ah, c'est magnifique. Bon, je vais arrêter de le faire parce que sinon il n'aura plus d'énergie avant demain. 25. Pouf, pouf, pouf. Tac, tac. Vas-y, torche. Torche brûle, magnifique. Tac, 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 tac.
crois qu'il pouvait en mettre un là. De toute façon, je peux. Ok, merci. 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 Tac. Hop. Voilà. Normalement, il peut en bêcher une ici. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il peut en bêcher une. Le mieux aussi, c'est de faire un petit côté déco. Voilà. Ah bah ça c'est magnifique, tu vois. Ça je suis content. Je vais juste prendre de la bonne mille deux petites minutes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de couper le bois. Voilà, merci. C'est juste pour me faire des planches en fait. Alors je pourrais utiliser des slabs, hein, mais je préfère largement ça. Bon bah du coup c'est magnifique, nous on va se laisser là du coup les gens, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, hein. Le geste commercial comme d'hab, moi ça me fait référencer mes vidéos, du coup avoir plus de vues, donc plus de monde, et j'espère atteindre les 100K avant 2017, hein. Parce que je voudrais bien les atteindre ces fameux 100K, depuis le temps que je suis sur YouTube. Allez, au revoir, bisous. Ah, c'est magnifique.